Et bonsoir, donc bonsoir, bonjour. Voilà, bonsoir YouTube. Et donc on va s'essayer Pumping Jack, c'est un jeu de Spinker qui était le. Enfin bon, c'est celui qui est derrière le. Tout le concept, quasiment toute la programmation, il a quasiment tout fait. Et on l'avait reçu lors du Sunday l'Addition, hein, il y a quelques mois de cela, et on avait pu aussi jouer à l'alpha. Et le jeu a l'air d'être craqué, quoi. Voilà, Nicolas Messonnier. Il a quasiment tout fait tout seul. Alors on va peut-être se mettre le son du jeu un peu plus fort. Vous en dites quoi? Appuyez sur A pour continuer. Ah, j'ai pas changé le nom du stream. Pumping. Quoi? Ah oui, c'est moi qui me dis Pumpkin Jack. Au niveau de l'ambiance et tout, non, il est craqué. Tu préfères ma belle voix soyeuse? Oula. Attends, pourquoi est-ce que je dis continuer? Ouais, tant pis, on va continuer, ce sera pas le tout début. En même temps, j'ai juste essayé hier. Et venez sur Switch. Sur Twitch, on est bien. Sur Switch. Non, c'est vraiment un tour de force hein, qu'il a fait. Vraiment. Et donc, il était sorti là pour Halloween. Ce moment, on dirait que le diable ne plaisantait pas quand il parlait d'extermination et de destruction totale. Ah. Et Bensai fait une dans le jeu? Une quoi? Parce que comme tu vois, il n'y a pas de doublage, hein, donc... Il a peut-être fait les ha. Regardez qui daigne enfin se montrer. J'espère que tu n'as pas perdu ta farfelle dans la chute. Beaucoup sont morts pour moins que ça, le piaf. Non, non, le jeu n'est pas doublé du tout, Pierre. Puis est-ce que c'est grave, docteur? Ah, Medieval, ouais, totalement. Et puis pas que Medieval. Il me semble qu'il y avait dans les inspirations de Jack et Dexter, enfin, tout plein d'inspirations craquées comme ça. Et pour ce qui est du prix, hein, vous le retrouverez à 29 euros à peu près sur toutes les sur tous les supports. « 29, Auguste, 29. Dans ma famille, crache le pain dur, désignant une personne compliquée. Personne compliquée? Et oui, le tuto. Et là, l'ambiance musicale est craquée. Ah bon? Qui crache le pain dur. Ok. C'est imagé au moins. Ah, je peux plus en boire. Bon, tant pis. Oh là, oh là, oh là. Ah oui, d'accord. Non mais déjà à l'époque, je l'avais trouvé magnifique, il a pas bougé.
Ah! Ok, je meurs. Donc on va devoir refaire hein, tout ça parce que je suis mouru. Et l'ambiance musicale est... Ouais. Non, il est top ce jeu. Honnêtement. On dirait que tu es débarrassé des toiles d'araignée qui restaient dans tes articulations. Qu'est-ce que tu m'envoies? C'est qui Florizo? Benzaï fait la VF du jeu, mais à quel endroit? Il a fait les rourous? Ou les bois? Je comprends pas. L'intro? Bon, on se la remettra tout à l'heure, mais si tu veux. Mais là, je comprends pas. Ah oui, c'est implacable. Et sa tête n'est pas faite de paille. Non, il est juste superbe ce jeu. Je sais pas, vous en conviendrez avec moi hein, qu'il est superbe. Et je peux rassurer tout le monde au niveau du gameplay, il est très bon. Ce chasseur de succès, t'as vu, hein? Je débloque tout. Je me casse la gueule. Mais pourquoi tu veux pas? C'est quoi ton problème? Bon, ok, ce jeu a un problème. Finalement. J'arrive pas à monter. Pourquoi il veut pas? Et tout ça sur un bon vieil Unreal Engine 4, ouais.
Et vous voyez, il y a des bûches de Noël, là. Voilà, je suis sûr qu'elle est au beurre. Pardon. Pour ceux qui sont sur YouTube, ils ne comprendront rien. D'où l'idée de vouloir venir sur Twitch. Venez sur Twitch, on est mieux. Au moins, vous comprenez les blagues. Les blagues à retardement. Peut-être un truc que j'ai pas vu, je sais pas. Je sais ce qui se passe. Okay. Je vais trop loin. Voilà. C'était bien ça. On est bien. Encore un succès. Sur Twitch, il y a eu le brocante, il est marrant. Mais il est pas là ce matin. Je suis sûr qu'il y a moyen de le speedrun ce jeu. Tu es triste. Moi aussi je suis triste. Faut faire un appel. Pardon. Et je trouve que l'ambiance est tip top aussi. Et c'est un jeu qui a un minimum de skill aussi, hein. Enfin bon. Ah ! Ok, attends. On va se mettre bien, là. Assurément. Regarde-moi ça, voilà. J'en étais sûr. Ok. Donc on va devoir refaire à partir d'ici. Ah bah le GG. Voilà, j'ai bien failli me casser la gueule, hein. On notera.
Hein? J'ai loupé un truc là-haut? Attends. Ah, il supporte pas l'eau! En fait, c'est l'eau! Ah, au niveau sonore ambiance, oui, c'est excellent. Mais je savais pas qu'il supportait pas l'eau, donc du coup, je me fais avoir à cause de la flotte. En fait, c'est pas parce que je me casse la gueule. C'est bon à savoir, ça. Faut pas qu'il touche l'eau. Alors voilà, il faut récupérer les crânes aussi, hein. Non, l'ambiance sonore est craquée, on est d'accord. L'ambiance sonore, l'ambiance visuelle. Oula, qui a découvert en premier? Écoute, je ne sais pas qui de l'œuf et de la poule, mais quoi qu'il en soit, il est là, le jeu. Vous avez été les premiers à en parler de ce jeu. Oui, non, mais il me semble que ça, oui. Crasse bug tout de suite. Ah ouais, je peux pas, hein. Alors attends, 3 secondes. Ah! Ça va être embêtant, ça! Non, il y en a que deux, hein? Il y en a que deux. Une énigme. Je suis tout bête, mais je viens de comprendre. Ok, hop. Bah écoute, je sais pas, mais il est bien ce mode tentacule. Enfin, c'est un mode énigme là, surtout. Mais ne le
mets pas aussi loin le machin. Voilà, là ça devrait être bon. Et là, on a réussi. Crash Bandicoot, ok. Il y avait des phases comme ça dans Crash Bandicoot? Et merci August. Ouais, mais apparemment il a mis plein de... Comment dire? D'allusions à tout plein d'autres titres. Mais vu le nom du trophée, je sais pas, je me pose la question. Je me suis laissé taper. Et bonjour Zbloc, comment vas-tu? Excuse-moi, j'avais pas... Il y a des chutes de framerate, hein. Là par contre, je les ai vues. De quoi? Le main de Zbloc à 3-3? Ouh. C'est vrai que c'est une bonne question. Puis désolé, je t'ai concentré sur le jeu d'un coup. Ça m'arrive une fois tous les 6 ans, hein, donc voilà, c'est rare. Ne vous inquiétez pas, ça ne m'arrivera plus. Et j'ai un chat qui va venir me touiller, je vous préviens, je vous le dis. Mouah. Tu ne comprends pas que je me concentre pas sur Forza? Ah là là. Sur Forza, disons que je me concentre sur d'autres choses. Plus importantes.
Là, ici, le jeu est vraiment cool. Ça me donne vraiment envie de le terminer, alors que... J'ai déjà plein de jeux sur le feu. Quelle horreur. Ah, l'invitation sur Fightcan. Bonne réponse. Alors, 3 secondes. Le chat qui vient tout hier. Allez, viens. Ok, t'as juste envie de touiller. Merci. Parce qu'il est derrière l'écran et voilà, c'est... C'est pas le bon endroit pour un chat, quoi. Même plus que le roussi. Oh là! Ça va être en timer serré, très bien. Le chat prend pas peur quand t'es là. Tu sais bien que je peux te faire de mal, alors bon, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Denis? Non. Bon. Et ça y est, on envoie le bout du premier coup. Non, il est top ce jeu. Garçon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le boss. Ah.
Et voilà. Une arme un peu meilleure. T'as vu ça, Six, hein, le PGM? Totalement d'accord. Jack, le seul escroc qui avait su se payer la tête du diable lui-même, était maintenant de retour dans le monde des mortels. Revêtu d'un corps frais comme ce serait là qu'il aurait fait les voix. Wow. Okay. Il rencontra le hibou et le corbeau qui s'allièrent à lui pour combattre à ses côtés. Mais Jack et ses compagnons de la nuit n'avaient pas le temps de profiter du paysage lent. Leur quête pour anéantir le sorcier s'annonçait des plus longues. L'abominable Jack, bien à l'aise dans son nouveau corps, suivit donc le hibou jusqu'aux montagnes à l'horizon, car en leur sein se cachait un puissant secret enfoui au fond d'anciennes mines labyrinthiques. Ouais. Alors, on continue. On continue ou pas d'ailleurs? On est à combien de temps de record? 30 minutes? Ouais, je trouve pas ça ouf non plus, Auguste. Mais bon, si c'était pas cher, écoute. Voilà. Parce que tout le reste du jeu est génial. Hein. Mais là, j'avoue que le doublage... Voilà. Ah, on peut changer d'arme. Ah, ouh. Moi je sais pas ce que j'aurais fait Auguste. Mais en tout cas le doublage là c'était pas ouf hein. D'ailleurs en matière de doublage CX, ça me rappelle que t'as un des acteurs de Kaamelott qui va doubler dans le prochain jeu Phoenix je sais pas quoi là, le prochain jeu d'Ubisoft. Qui a l'air d'être craqué d'ailleurs au passage. Astier, si, il double totalement dedans. Phoenix Immortal Rising, ouais. Le jeu a l'air d'être génial, quoi. Après à voir. Ouais, il me semble que c'est lui, ouais, c'est le père qui double. Non mais je peux rien dire d'autre que le jeu est carré. Il est ultra propre, ultra carré, ultra bien fait. Au niveau du gameplay, il n'y a pas de défaut. Graphiquement, il n'y a pas de défaut.
Au niveau de l'animation, il y a quelques drops, hein, mais bon, voilà, c'était... Il fallait bien que ça arrive à un moment. Pourtant, on est sur One X, hein. Il ne devrait pas y en avoir. Mais sinon, c'est propre de fou. Ouais, j'appelle même pas ça un défaut, moi, le doublage, tu vois. C'est... Si le doublage te saoule, tu passes, parce que bon, le plus important ici, ça reste quand même le jeu. La star, c'est le jeu. Donc non, zéro défaut, quoi. Il est excellent. Surtout quand tu sais comment il a été produit, quoi. Punaise, moi je connais des studios qui voudraient avoir ne serait-ce que la moitié de... d'un jeu de cette valeur-là. Oh, honnêtement, je ne peux que le conseiller, celui-ci. Donc une énigme. Bah c'est peut-être parce qu'il y a un cyberpunk à côté, je sais pas moi, tu vois, si que ça, c'est peut-être pour ça que ça décale. Merde. Ah. Puis moi je comprends pas, comment ils peuvent avoir peur d'un petit jeu fait par des Polonais dans un studio avec 3 personnes. Je sais pas. Oh mon Ekeblo. Bien. Ah, pardon.
Oh merde. Bon. Ah, il lui a offert The Witcher 2 à Obama, là. Ok. J'ai pas suivi ça. C'est moi qui saute trop, je fais n'importe quoi. Pourquoi je fais n'importe quoi? Tu peux me le dire? C'est pas parce qu'il est bientôt midi, si? Ouais, voilà, on refait n'importe quoi. Bravo. C'est la fin, ouais, c'est ça. C'est la fin de la fin. Ah, du coup, c'est moi qui peux pas monter. Ok. Et encore un succès. Qu'est-ce que ça dégueule, ces machins? Merci August. On a combien de temps de vidéo? 43 minutes, ouais. C'est largement beaucoup. Voilà. En tout cas, merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Ouais, honnêtement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai fait de l'année là pour l'instant. Donc voilà, si vous posiez la question du est-ce que je dois acheter ou pas machin. Si vous vous fiez à mes avis, celui-là, il est... Ce jeu-là est génial. Voilà, c'est... Honnêtement, hein, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le chat, mais honnêtement, il est... propre. Une propreté absolue. Le GOTY absolu, je sais pas. Et salut, Orukan. Ouais, ça va, et toi? Là, on termine la vidéo YouTube, tranquille. Et le jeu est... assez génial. Honnêtement, voilà. Passez sur Twitch, hein, déjà. Hein, voilà. Et autre chose, ouais. Pumping Jack, il est excellent. Il est excellent. Il a un demi-défaut, voilà. On va dire que les cinématiques... voilà. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de voix. Mais sinon, il est top. Top du top. Top du top. Après, il est à 30 balles, il se fait bien, il se fait tout seul. La maniabilité est bonne, les graphismes sont excellents. Les références sont bonnes. Je sais pas, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on demande? C'est pas loin d'être mon GOTY de l'année, là, pour l'instant. Va falloir que j'aille plus loin. Chose que je vais certainement faire en stream, mais ouais. Ouais, très bon jeu. Voilà, des bisous YouTube, et n'hésitez pas à venir sur Twitch. De toute manière, tous les liens sont en description. Hein. C'est pas... Puis j'ai le même pseudo sur Twitch, donc c'est pas compliqué. Bisous!